a répondu présent. Vous avez suivi en direct de nos antennes que l'affaire où l'audience a été renvoyée à 2 semaines, soit le 8 novembre prochain, à la demande de la défense suite à l'absence de l'interprète du responsable de l'entreprise Africom qui ne s'exprime qu'en anglais. Nous y reviendrons avec force détail au cours de nos prochaines éditions. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. En images, nous ouvrons ce journal par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a eu une séance de travail avec les ministres sectoriels dans la situation de la grève des enseignants de l'EPST. Le chef du gouvernement a instruit pour que des solutions idoines soient trouvées à ce problème et que la reprise des cours soit effective sur toute l'étendue du territoire national. On fait le point avec Patty Tondouangou. Du gouvernement préoccupé par la grève qui persiste dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel veut voir la situation sociale de l'enseignant s'améliorer et tous les élèves reprendre les chemins de l'école de la semaine qui commence. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a réuni les ministres sectoriels, a instruit pour que la commission interministérielle EPST, fonction publique, budget, finances et banque syndicale des enseignants puisse enclencher la poursuite des négociations. En quoi le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, les principaux syndicalistes de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel seront réussis le lundi 25 octobre et le jeudi 28, les négociations vont démarrer. Le souci du gouvernement, c'est celui de tout mettre en œuvre pour voir dans quelle mesure les conditions sociales des enseignants améliorent. Nous sommes tous dans ces mêmes bateaux. Voilà le souci du gouvernement qui est clairement affiché. Maintenant, tout ceci devra tenir compte de contraintes d'ordre budgétaire et c'est dans les dialogues que nous allons devoir dégager certaines pistes pour l'avenir. Les enseignants sont des héros et occupent une place importante dans notre société, a conclu Jean-Pierre Liao. Puis ce geste de solidarité en faveur des enfants élèves de l'école primaire Éducation pour tous, située au quartier Malweka. Nous sommes là dans la commune de Ngaliema. Ces écoliers viennent de bénéficier des kits scolaires. Reportage Émilie Kaindo. Des cahiers, des sacs et autres manuels scolaires font la joie des élèves de l'école primaire Éducation pour tous, située dans la commune de Ngaliema, quartier Malweka. Un geste qui vient appuyer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la gratuité de l'enseignement. Améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo reste un devoir sacré pour le gouvernement et pour tout Congolais. C'est ce qui justifie la visite des bâtiments par Mme Pembe Bolumbunana avant d'échanger avec les parents et les enseignants. Il s'est de souligner que la gratuité de l'enseignement en vision du chef de l'État permet à tous les enfants congolais de recevoir un enseignement de qualité et de base, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Et puis parlons de l'agrandissement de la route nationale numéro 39, tronçon compris entre Tenkefungurume et Kolwezi. La chaussée va passer de 2 à 4 bandes. Question de familiariser la circulation aisée des gros véhicules transportant les minerais. Les travaux sont exécutés par deux entreprises chinoises, Sinomine et Grec7, sur financement du gouvernement provincial du Lualaba. C'est un reportage de Jires Kelani et de Blaise Bokokia. La route nationale numéro 39, tronçon se trouvant dans la province du Lualaba, une priorité est pour les autorités provinciales. La gouverneure Fifi Masuka et son exécutif provincial sont plus que jamais déterminés à agrandir la chaussée qui doit passer de 2 à 4 bandes. Objectif, améliorer la fluidité de la circulation sur ce tronçon qui reçoit des véhicules de gros tonnage en transportant des minerais pour ainsi éviter les accidents à répétition. Sinomine, qui exécute les travaux, a mobilisé son arsenal des engins, niveleuses, chargeurs, compacteurs, tractopères et autres camions bennes sont déployés et pour ce faire. Autant de grands travaux salués par les usagers de la route. Les camions poids lourds qui transportent les minerais
On n'aura pas des problèmes d'accident comme on en avait auparavant. Tout ça, c'est grâce au président de la République. Elle a fait confiance à la maman gouverneur de Lualaba, Mme Fimasuka. Et aujourd'hui, on a les résultats, on est en train de travailler. Elle est déterminée d'aller jusqu'au fond, donc le travail est assuré. Si l'entreprise chinoise Sinomine exécute les travaux dans la partie comprise entre la ville de Kolwezi et le pont Lualaba, Crec 7, elle, s'occupe de moderniser la partie de la chaussée allant vers Tenke-Fungurume. Travaux d'assainissement déjà finis, il ne reste que la pose de la couche d'enrobé pour voir les véhicules des gros tonnages circuler sur une chaussée de 4 bandes à mettre à l'actif des autorités provinciales, même si la réhabilitation et la modernisation des routes nationales reviennent au gouvernement central. De l'eau potable pour les habitants des quartiers urbano-ruraux de Lukunga, dans la commune de Ngaliema. Le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota, est descendu le week-end dernier dans cette partie de la capitale. Question d'examiner les voies et moyens pour desservir en eau potable cette population. Reportage Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Bientôt la fin du calvaire pour les habitants de 16 localités du quartier urbano-rural de Lukunga dans la commune de Ngaliema. Une deuxième descente en l'espace de quelques semaines du ministre d'État en charge du développement rural, François Robota Masumbuko, est prometteuse pour cette population qui souffre du manque criant d'eau potable. Je suis ici dans le quartier Mbakikusa, au nom du gouvernement de Wario. Jean-Michel Samalukonde, sous l'impulsion de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, pour une deuxième fois. Nous allons maintenant nous concentrer sur les études approfondies pour savoir comment serons-nous en mesure de prendre cette source, la ramener jusque là où se trouve la population. Si tel n'est pas le cas, nous allons évaluer la possibilité de voir si quelque part on peut creuser un forage et créer un réseau de distribution d'eau. Accompagné du ministre provincial du développement rural de la ville de Kinshasa et du directeur de l'Office national de l'hydraulique rurale, le ministre d'État a suivi avec beaucoup d'attention les doléances de cette population qui se traduisent par le manque d'eau et de courant électrique. Nous puisons l'eau de la source qui sort de la terre, de l'eau non entretenue. C'est vraiment pénible. Le ministre d'État en charge du développement rural, avec le concours du gouvernement, a promis de s'investir pour assouplir tant soit peu la souffrance de cette population. Suite de la campagne de l'unité de la cohésion nationale après l'étape de l'Odja, la ministre près le président de la République, Nana Manouanina, continue à sensibiliser la population à la vision du garant de la nation. Jacques Kabouaba nous propose l'étape des Tshimbé et des Lumumbaville. Regardez. Après les territoires de l'Odja, direction Katakokombe, toujours dans les Sankourou, où la ministre est prêt, le président de la République, a poursuivi sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. À Tshimbé et Lumumbaville, la population s'est dit prête à accompagner la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, piloté par le premier ministre et chef du gouvernement, Samalukonde. Dans une communication pleine de sens et d'émotion, faite à Lingala, la ministre et après le président de la République, professeur Nana Manonina Kyumba, n'a pas lésiné à éveiller la conscience de la population sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Selon elle, cette sensibilisation sur les valeurs de la République constitue un devoir patriotique pour les triomphes et les succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère grâce aux vertus du sacro-saint principe de vivre ensemble. La population dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du garant de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. Level Up, c'est le nouveau concept lancé par le réseau d'affaires Makutano. Cette première édition spéciale met un accent sur l'entrepreneuriat féminin. Reportage Rodé Panda. Le réseau d'affaires Makutano, un espace et un cadre d'échange pour booster et accompagner les entreprises. Cette première édition, lancée ce vendredi 22 octobre 2021 à Sultani Hotel, met l'accent sur l'entrepreneuriat féminin. Level Up, c'est un nouveau concept qui accompagne
C'est réseau d'affaires Makutano. Nicole Soulou, fondatrice de Makutano, a accueilli l'assistance par un message d'encouragement aux femmes entrepreneurs de tout mettre en œuvre pour réussir la création d'emplois et de richesses, ce qui va aider la jeunesse. En tant que femme africaine, congolaise, créer l'entreprise aujourd'hui en Afrique, ça veut dire créer de la richesse, créer de l'emploi. Qui dit créer de l'emploi, ça veut dire donner de l'espoir à nos jeunes et plus largement donner de l'espoir à tout un peuple. Ici, les entrepreneurs, spécialement les femmes, partagent leurs difficultés et les expériences des uns des autres, les aident à surmonter les obstacles. C'est aussi une vitrine pour ces femmes d'exposer leurs œuvres, précise une participante. Il faut se donner les chances de réussir et pour moi, ça se passe aussi dans l'apprentissage. Les membres du gouvernement qui partagent ce secteur sont venus soutenir cette initiative. Eustache Mwangi Mbembe, ministre de PME, a reconnu le management et la contribution des responsables du réseau Makutano dans la vulgarisation de la bonne information d'affaires. Cette édition spéciale consacrée au nouveau concept Level Up a connu la participation de plusieurs femmes venues d'ailleurs, notamment Son Altesse Royale, la princesse Sarah Zeid de Jordanie et d'une forte délégation de femmes entrepreneurs du Sénégal. Si vous ne le savez peut-être pas, sachez que la 6e édition du Forum international de femmes entreprenantes et dynamiques FIED RDC 2021 se tiendra à Kinshasa en décembre prochain, soit du 14 au 16. Reportage Christine Lenzo et Lisette Mujinga. La présidente du FIED, Jelly Kayeo, a foulé les sols congolais à partir de l'aéroport international d'Ndjili, accueilli chaleureusement par Jeanne Sabitizamouda, représentante pays FIED RDC et les membres de son comité. Cette femme leader et toute sa délégation sont venues en équipe d'avance en vue de préparer un grand événement de femmes entreprenantes. Il s'agit de la 6e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED RDC 2021. Et ce forum se tiendra à Kinshasa du 14 au 16 décembre 2021 et réunira à Fleuve Congo des femmes entreprenantes venant de toute l'Afrique et de partout à travers le monde. Ces assises sont placées sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, également président en exercice de l'Union africaine. Le thème principal de ces FIED RDC 2021 gravite autour de la zone de libre-échange continentale africaine, accélérer la dynamique de la ZELCAF avec la contribution active des femmes entreprenantes et dynamiques pour la relance de l'économie africaine post-Covid-19. Initialement prévu à Dakar, au Sénégal, ce 6e FIED a été reporté faute de Covid-19, mais aussi délocalisé en RDC pour des raisons simples. La position du pays situé au centre du continent est celle d'honorer son président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve être également président en exercice de l'Union africaine. Bien avant, les ministères impliqués dans l'organisation du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED se sont réunis avec la coordination nationale. C'était en présence de la représentante de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de lutte contre les violences sexuelles. Deux représentants permanents ont été nommés par le chef de l'État, l'un auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève et l'autre à l'ONU.